Hey! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Vous savez, est-ce que vous... Attendez, je me mets bien. Vous savez, ça fait combien de temps que j'attends de tester ce fond de teint là? Je parle bien sûr du fond de teint Beauty Blender. Beauty Blender, comme dirait ma sister. C'est le fond de teint Beauty Blender, donc oui, vous savez, Beauty Blender, cette marque d'éponge qui a révolutionné le monde du make-up et qu'on utilise maintenant tous les jours, tout le temps. Eh bien oui, ils ont sorti leur fond de teint. Mais forcément, il n'est pas disponible en France, hein. Il y a toujours un mais. Donc voilà, je crois qu'ils l'ont sorti depuis au moins l'été 2018. Il me semble que ça fait déjà quelques mois. Il y a eu un petit peu scandale autour des teintes, etc. Et comme je vous l'avais dit dans mon haul USA, si vous l'avez pas encore vu, franchement, je crois que j'ai jamais craqué autant mon slip. N'hésitez pas à aller voir, il est sur ma chaîne, si j'y pense je vous mettrai en barre d'infos. Et du coup dans cette vidéo je vous disais que c'est un fond de teint que vous pouvez trouver sur le site, logiquement, Cult Beauty. Donc c'est un site UK sur lequel on peut commander plein de choses. Mais le jour où j'ai voulu commander ce fond de teint là, c'était écrit pas disponible vers la France. Donc clairement... on n'a pas le droit. On doit attendre la date de sortie en France ou je sais pas. Je sais pas quelle est la politique. À chaque fois, franchement, c'est hyper énervant quand tu vois un fond de teint dans d'autres pays. Mais toi, tu ne l'as toujours pas. Donc, quand je suis allée aux États-Unis, j'en ai profité pour l'acheter parce que je me suis dit, toi, c'est bon là, on a assez rigolé, on joue plus, on se teste. J'ai foncé chez Sephora et je me suis pris ce fameux fond de teint qui est le fond de teint Bounce. Donc il y a énormément de teintes, il y en a 40, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver ma teinte. Soit c'était trop jaune, trop foncé, trop clair. J'ai vraiment galéré pour trouver ma teinte et j'ai pris la teinte 3.20 qui m'a l'air d'être ma teinte. J'ai un léger doute, j'ai l'impression qu'il m'aurait fallu un tout petit peu plus jaune olive. Je ne suis pas sûre, on va voir ça tout de suite. Donc je vous présente un petit peu le packaging qui est assez original, hein. Je pense que c'est la première fois qu'on voit un fond de teint pareil. Donc c'est un fond de teint qui est fabriqué en Italie. On a 30 ml, donc c'est vraiment la contenance normale en général d'un fond de teint. Il m'a coûté 40$ sans les taxes, ce qui revient environ, je crois, à une quarantaine d'euros. Voilà, donc c'est un format assez original comme je vous le disais, parce qu'en fait vous devez l'activer, enfin l'ouvrir en swipant juste là le petit bouton pour pouvoir appuyer. En fait ça le verrouille pour que, je sais pas, dans votre trousse à beauté, votre sac à main, peu importe, ça ne s'ouvre pas, enfin qu'il n'y ait pas de risque de fuite de fond de teint. Et une fois que vous l'avez activé juste ici, vous appuyez sur le bouton juste là et vous avez le produit qui sort comme ça, juste ici. Donc là comme ça je dirais que 2 pompes et demie, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça vraiment assez original. Après c'est un peu plus galère parce qu'il faut le nettoyer et tout, mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Comme ça tu prends ta petite éponge Beauty Blender, of course, hein, on va l'utiliser aujourd'hui. Voilà, Beauty Blender, un peu la star de cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, je vous le précise, j'ai acheté mon fond de teint et peu importe, même si c'était le cas, de toute façon vous savez que je vous donne toujours mon avis objectif. Donc éponge, et tu prends directement en fait sur le truc ici, et je trouve ça vachement sympa. Donc voilà, concernant les avis donnés à ce foundation, les avis sont vraiment pas mal du tout. Sur le site de Sephora.com on a 584 avis, ce qui est énorme, et du coup le fond de teint a 4 sur 5 étoiles, ce qui est juste génial. Donc voilà, on va voir tout de suite ce qu'il a dans le bide. Je vous explique un petit peu comment il est, ce qu'il promet, etc. Donc c'est censé être un fond de teint avec une couvrance totale, mate pour les peaux normales, sèches, mixtes et grasses, donc pour tout le monde en fait. Et c'est un fond de teint qui contient de l'acide hyaluronique, qui contient plein de bons ingrédients. Il n'y a pas de sulfate, pas de minéraux, pas de formaldéhyde, pas de parabènes, pas de phtalates. Il est cruelty free, vegan, gluten free. Et apparemment, il tiendrait 24 heures sur le visage sans bouger, il a un fini mat, vraiment velvet, velours, et voilà, il est hyper léger tout en étant hyper couvrant. C'est ce que promet ce fond de teint, donc formule liquide, etc. This full coverage velveteen matte foundation dresses not just tone but also skin texture so your complexion looks smooth and even. Donc on va voir tout de suite si ce fond de teint tient ses promesses. Sur moi, en tout cas. Parce que j'ai vraiment une longue journée qui m'attend, j'ai plein de rendez-vous, etc., etc. Donc je me suis dit que c'était la journée parfaite pour le porter, vu que je vais sortir, j'ai, voilà, beaucoup marché et tout. Voilà, je me dis que ce sont les bonnes conditions pour tester un fond de teint. So, let's go! Du coup, je prends mon éponge et je vais venir prendre la matière directement. Là, comme ça, j'ai l'impression que c'est la bonne teinte. Ça m'a l'air d'être parfait pour moi. Mais comme je vous le disais, j'ai l'impression que ça manque un petit peu d'olive. Je pense qu'on le voit. Ça a l'air en fait un peu plus clair que mon cou, alors que c'est pas plus clair, c'est juste moins jaune. Donc bon, on va faire avec et au pire, on va réchauffer un peu son teint avec une poudre bronzante juste après. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Du moins, c'est hyper léger parce que je sens pas grand chose. Attendez, je remets une petite pompe. Non, je sens pas vraiment de parfum. Et s'il y en a un, c'est hyper léger.
En termes de couvrance, on est plutôt pas mal. Il camoufle bien mes petites imperfections, mes rougeurs. Mais là, j'en suis déjà à 2,5 pompes. Je viens d'en mettre une troisième ici. Je trouve que ça fait beaucoup parce que j'ai pas encore fait tout mon visage. La texture, elle est assez liquide, pas trop liquide. J'ai la marque de mes lunettes, s'il vous plaît. J'étais sur l'ordinateur toute la matinée en train de monter une vidéo. Du coup, j'ai la marque, j'espère que ça va camoufler. Le fond de teint, la caméra, il a l'air clair pour moi, mais je vous assure qu'en vrai, il est pas clair, il est juste pas assez jaune. C'est vraiment relou. En plus, je me tâtais à en prendre un deuxième, à en prendre deux, quitte à faire un mix. C'est quelque chose que je fais souvent avec mes fonds de teint, parce que j'ai jamais, en tout cas rarement, en tout cas je galère souvent, à avoir la teinte exacte de mon fond de teint. Comme je vous l'ai dit, celui que j'adore en termes de teinte, c'est le Stromboli. La teinte Stromboli de chez NARS, c'est vraiment ma teinte parfaite. Et là, du coup, j'ai vraiment l'impression que ça manque de jaune. On dirait que ça me blanchit, que ça me pâlit. Ça m'enlève tout le jaune de mon teint, quoi. Tout le côté doré. En termes de texture, il est hyper agréable. Il s'applique super bien. Rien à dire de ce côté-là, la couvrance est belle. C'est pas le fond de teint le plus courant que je connaisse, très sincèrement. Mais la couvrance me rappelle beaucoup le Born This Way. Un peu aussi le Natural Radiant Longwear de chez NARS. Il est moins couvrant que le Huda Beauty par exemple, que je trouve moi très couvrant. Il est moins couvrant que le Morphe, parce que Morphe c'est vraiment couvrance extrême. Si vous voulez de la couvrance extrême, il a un tout petit peu moins, je trouve. Mais il est quand même bien couvrant. Et c'est vrai qu'il a cet effet léger sur la peau. Il n'y a pas d'effet texture, il n'y a pas d'effet matière. Pour le moment, en tout cas, la teinte est définitivement pas assez jaune pour moi. Donc il va falloir que je réchauffe mon teint pour me redonner de la chaleur. La couvrance est pas mal du tout, je la trouve jolie. Comme je le dis souvent, il camoufle pile ce qu'il faut, mais camoufle pas toute la peau, ça fait pas too much, ça fait pas effet d'épaisseur, quoi. Après, quand ils disent couvrance totale, il y a des fonds de teint qui sont plus couvrants quand même. Mais il est très bien couvrant, quand même, hein. Il est mat, mais ça reste joli quand même. Pour l'instant, j'ai pas vraiment... peut-être ici légèrement. Légèrement là, mes zones de sécheresse ici je suis un peu sèche. Ça marque légèrement mais pas trop. Je pense qu'avec la journée en fait et le sébum ça va s'estomper assez rapidement. Donc voilà, aujourd'hui je vais venir appliquer un anti-cerne qu'on connaît tous et que je connais très bien pour ne pas altérer mon avis. C'est le Shape Tape de chez Tarte, le Light Medium Sand. Hop. Et hop. Vous voyez, même l'anti-cerne il est plus jaune en fait. Ce qui me saoule, c'est que si je kiffe ce fond de teint, je vais devoir attendre, donc je me suis fait arnaquer. Ça veut dire que c'est encore pire, là. Je le teste, je le kiffe, c'est pas ma teinte. Loser. Je vais pas en mettre ici, enfin là j'ai rien mis sur mon éponge, je vais pas en mettre ici ni là, pour vraiment bien tester. Donc voilà ce qu'on a pour le moment, je termine mon teint, mes sourcils, mon bronzer, mon blush, highlight, etc. etc. Et je reviens tout de suite pour vous donner mon avis concernant ce que j'en pense dès les premières minutes et ce que j'en pense également mélanger, enfin mixer avec les autres matières qui vont arriver par-dessus. Parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est un élément hyper important que le fond de teint s'accorde bien avec les autres produits, qu'il soit pas en mode pas sociable, tu vois, faut qu'il soit sociable avec les autres produits. Donc voilà, je fais ça tout de suite et je reviens. Donc me revoilà, j'ai fait le reste de mon teint, j'ai mis du bronzer de chez KKW, un blush de chez Yves Saint Laurent que j'adore, c'est le numéro 5, j'utilise tout le temps en ce moment. J'ai mis mon highlighter de chez Physician Formula, pareil, c'est un kiff, franchement c'est ma drogue en ce moment. Donc on verra bien, j'ai pas encore fait mes lèvres, je pense que je ferai ça dans la voiture parce qu'il faut vraiment que je m'en aille. Je voulais juste vous faire un zoom du fond de teint, mais franchement il s'est bien accordé avec le reste du make-up, je n'ai pas eu de problème, j'ai pas vraiment de soucis. Pour le moment j'ai un peu peur que ça marque mes zones de sécheresse ici, c'est un peu le cas pour le moment, donc on verra tout à l'heure comment il va vieillir au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, je sais pas si vous le verrez ici, ça marque un petit peu mes zones de sécheresse, rien de fou, rien de choquant, mais sinon aucun problème. Il a bien flouté mes pores, je trouve, il a un joli rendu mat mais pas trop, ça fait vraiment effet velours. Donc on verra tout à l'heure. Du coup, je vous retrouve ce soir pour vous donner mes impressions concernant ce fond de teint, mais bon, pour vous ce serait dans quelques secondes. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est quasiment 19h, ça fait plus de 8h, plus de 8h, ouais, quasiment 9h que j'ai le fond de teint sur le visage, il a pas bougé les gars. Mais genre, il a pas bougé. Ce fond de teint est magnifique pour le moment, j'ai même eu plein de rendez-vous professionnels à qui je disais aujourd'hui je teste un nouveau fond de teint. Elles ont toutes kiffé mon teint, franchement, même ma sœur, je connaissais sa haine avec les fonds de teint couvrants, elle déteste ça. Elle a dit franchement, il est vraiment beau. Donc franchement, pour le moment, je suis vraiment très contente, je brille même pas au niveau des ailes du nez. On verra bien, hein. Re-coucou tout le monde.
le monde, donc on se retrouve dans cette dernière partie de vidéo. Donc là on est le lendemain en fait, c'était pas du tout prévu, mais étant donné qu'hier j'ai fait pas mal de shopping, je suis rentrée tard, j'ai dîné tard, franchement j'étais fatiguée, je me voyais pas refilmer avant de me coucher, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je le reporterai demain toute la journée, comme ça je me ferai mon avis sur 2 jours. Et très franchement aujourd'hui j'ai eu quand même une grosse journée, et j'ai été aussi invitée à un anniversaire entre enfants, donc voilà ça a pas mal couru etc etc. Et du coup je viens de rentrer et je suis capoute, donc je me suis dit que j'allais vous donner mon avis le lendemain, c'est à dire aujourd'hui, sur ce que je pense de ce fond de teint. Donc déjà très sincèrement, hier toute la journée j'ai adoré, on m'a fait que des compliments sur mon teint en me disant que c'était vraiment joli, que c'était vraiment naturel, parce que je disais bon vous en... à chaque fois que je vois quelqu'un et que je fais une vidéo premières impressions, je dis alors qu'est-ce que vous en pensez. Et même ma soeur franchement qui n'aime pas les fonds de teint, qui ont tendance à être couvrants, même couvrance moyenne, elle aime pas vraiment, elle a adoré et elle a vraiment trouvé ce fond de teint vraiment super joli. Voilà ce que ça donne zoomé, je sais pas ce que vous en penserez, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le fond de teint n'a absolument pas bougé, et pourtant j'avais mon écharpe jusque là et tout, ça s'est peut-être un peu effacé ici, mais vraiment je mettais bien mon écharpe aujourd'hui, il faisait un peu frais, on était dans le jardin et tout, franchement le fond de teint n'a absolument pas bougé, et au contraire il a bien vieilli, il est super joli, franchement j'adore ce fond de teint, il est vraiment vraiment beau. Attention, il aura peut-être tendance à marquer certaines zones de sécheresse pour certains. Hier j'ai l'impression que j'ai un petit peu eu ce cas là mais pas beaucoup, vraiment rien de choquant, et au fur et à mesure de la journée ça allait mieux. Aujourd'hui j'ai pas vraiment eu ça, donc voilà. J'aime vraiment beaucoup le packaging, je trouve que c'est vachement sympa, même pour les make-up artistes, tout ça, je trouve que c'est, voilà, c'est un format vraiment original. Franchement, j'aime beaucoup. Le seul truc que j'aurais à dire sur ce fond de teint, c'est en termes de teinte, et c'est juste que je pense ne pas avoir choisi la bonne teinte pour moi. Je pense sincèrement que ça manque de jaune, j'ai l'impression d'être un petit peu palote. Ça manque de jaune, en fait, sur moi, donc j'ai pas l'impression d'avoir... bonne mine, je sais pas comment vous expliquer, donc ce serait vraiment le seul truc que j'aurais à dire. Donc voilà, je pense que je vais me le racheter. Tu sais, la fille elle a attendu plusieurs mois pour réussir à l'avoir, et maintenant qu'elle l'a, elle a pas la bonne teinte. Alors ça c'est la meilleure de l'année. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir acheter une autre teinte. J'avais déjà galéré à choisir celle-ci, franchement c'est pas facile. Mais voilà, c'est vraiment la seule chose que j'ai à dire sur ce fond de teint là. Il se mélange bien aux autres fonds de teint, il évolue bien tout au long de la journée, il reste bien en place. Est-ce qu'il tient 24 heures? Je ne sais pas, vu que je ne l'ai pas testé 24 heures, mais hier j'ai quand même fait une grosse grosse journée, et franchement le fond de teint était super beau toujours le soir quand je vous ai fait un petit checkpoint vers 19 h. Donc franchement j'aime beaucoup son teint, j'ai hâte qu'il sorte en France, je vais essayer d'avoir des renseignements, savoir quand est-ce qu'il va arriver, parce que franchement il est super beau, une belle couvrance, un effet vraiment naturel, léger sur la peau, j'aime bien, franchement je valide. Donc voilà concernant mon avis concernant le fond de teint Bounce de chez Beauty Blender. Je suis trop contente du coup de l'avoir testé, et j'ai hâte d'aller m'acheter une autre teinte. Je vous en dirai des nouvelles une fois que je le retesterai avec ma teinte, si jamais ça vous dit, mais franchement j'adore personnellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez déjà testé, est-ce que c'est un fond de teint que vous attendez, et est-ce qu'il y a d'autres fonds de teint que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Comme vous le savez j'en ai acheté plein aux États-Unis. Donc voilà, s'il y en a un que vous voulez voir très très vite en premières impressions sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo si jamais vous avez aimé et que vous avez passé un good moment, et à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur ma petite tête qui est par-ci par-là, je sais pas trop où je le mets à chaque fois, ou tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner. Et en attendant une prochaine vidéo, go check it out! N'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mmh.